Bon, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Je pense que c'est une période un peu particulière. Quelle est l'ambiance cette semaine pendant la préparation? C'est une ambiance sereine, voilà. On attend l'événement tranquillement, sans se mettre plus de pression qu'il ne faudrait. Petit à petit, ça va monter. Je pense que dans l'ensemble, pour l'instant, calme et déterminé. Les supporters se mobilisent, toute la semaine ils se sont mobilisés dans la France entière pour être là. Est-ce que les joueurs ressentent l'engouement énorme qu'il va y avoir autour de cette rencontre? Ils en ont pris conscience, oui, ils en prennent conscience parce que depuis quelques semaines déjà, les supporters se déplacent beaucoup. Et quelque part, c'est très important pour nous parce que c'est un 12e homme qui nous faisait un petit peu défaut au départ. Maintenant, ils sont là, ils sont présents et on ne peut que les en remercier. Comment est-ce que tu prépares un match aussi spécial que celui de dimanche? Est-ce que quelque chose change dans la préparation? Forcément, puisque c'est le dernier match et que quelque part, c'est un match capital. Maintenant, il faut quand même qu'on garde de la sérénité. Il ne faut pas qu'on épuise les joueurs en leur donnant une multitude de renseignements. Il faut, voilà, essayer de tempérer tout ça. Dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance. Justement, quelles sont les valeurs ou les points spécifiques sur lesquels tu insistes avant cette rencontre? Je pense que les valeurs ont été démontrées contre Montpellier. C'était un match couperet, c'était un match qu'il fallait gagner. Et l'équipe a montré beaucoup de solidarité, beaucoup de valeurs humaines. À partir de là, il faut s'appuyer sur ces valeurs-là et essayer de faire encore un peu plus dans la tenue du ballon et puis dans l'esprit offensif. Maintenant, c'est la fin de saison. Tout le monde est fatigué. Les joueurs sont en fin de saison. Ils sont les corps qui commencent à peser. Psychologiquement aussi, c'est dur puisque ça fait pas mal de temps qu'on est dans une situation difficile. Il faut trouver un peu de souffle et d'oxygène pour pouvoir rebondir les matchs. Stéphane Ruffier sera absent, mais il est présent en mise au vert. Sa présence est importante pour les autres joueurs. Elle est très importante, elle est fondamentale. Il est le capitaine de l'équipe. Il a été formé à Monaco. Il représente notre passé et notre futur, donc c'est très important qu'il soit là. Il est à l'image du capitaine. Il dégage une certaine sérénité. Est-ce que ça peut être important dans ces moments-là où l'équipe peut en manquer peut-être? Mais de toute façon, tout le monde, tous les gens qui encadrent l'équipe sont comme ça. Je crois que il ne faut pas affaiblir notre groupe en commençant à se poser trop de questions. Je crois que l'objectif, c'est de vivre ensemble, d'être, voilà, de passer des bons moments et au fur et à mesure de préciser les choses. Mais bon, on ne peut pas arriver ici 3-4 jours et mettre la pression de suite et arriver dimanche cuit. Après le match de Lens, on t'a vu vraiment très très touché en conférence de presse. Est-ce que le fait que Monaco ait à nouveau son destin entre ses mains après avoir gagné à Montpellier, ça te permet de reprendre un petit peu la confiance, on va dire? Oui, c'est toujours. Depuis 18 matchs, on a toujours on essaie toujours de s'en sortir. Et puis chaque fois, bon, des fois il y a des retournements de situation, des fois il y a des buts. La dernière seconde, bon, voilà, c'est compliqué. Maintenant, on n'a pas perdu contre Lens, on a pris un point. Et peut-être que ce point sera primordial sur l'avenir. Ce qui était important, c'était de réagir moralement sur ce match-là. Et on l'a fait. Donc à partir de maintenant, tout est possible. Le match face à Lyon, justement, un match que Monaco doit absolument gagner. Comment l'aborder, justement? Est-ce que ça va être en jouant clairement l'offensive ou comme Monaco sait si bien le faire aussi, attendre un petit peu pour contrer? Je ne vais pas vous dire comment on va jouer. Non, de toute façon, il faudra qu'on gagne le match.
Donc à partir de là, il faudra se donner les moyens pour gagner le match. Est-ce que quelqu'un t'informera des scores en direct ? Ça peut être important qu'un match nul. Bien entendu. Ce qui sera primordial, c'est de savoir sur la fin ce qui se passe. Maintenant, pour ne pas s'occuper des résultats, on sait ce qu'on doit faire. Est-ce que tu as déjà ton discours en tête, ton discours d'avant-match ? Je l'affine jour après jour. Pour terminer, les supporters donc, sont en train de se mobiliser dans tout le pays, ça va descendre, on pourrait être présent au match, le stade va être pratiquement plein. Je vais leur dire un petit mot avant cette rencontre, donc ils attendent énormément, comme toi. Donnez le meilleur de vous-même et aidez-nous parce qu'on en a besoin. C'est un match primordial pour notre avenir et je sais que vous êtes nombreux à nous aimer, même si on dit que l'AS Monaco n'a pas beaucoup de supporters. En fait, c'est faux. Ils sont nombreux, ils sont dans toute la France. Et quand on a besoin d'eux, ils sont là. Merci. Merci à vous.